Alors, plus précisément, dans le cas de Washington, alors, maman Marthe, née. Maman Marthe, née. Alors, puis, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On dit que tu es un salis à l'autre. Pour la Corée, on a un peu de bonheur. Pour la Zoto, on a un peu de bonheur. Pour la bonheur. Alors, puis, bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es un peu de bonheur. Sinon, si tu es un peu de bonheur, tu es un peu de bonheur. Pour pas comprendre, ma Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, à Pino Moko, pas pour la Coréenne, Coréenne, à Pédi. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, je suis très 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 heureux de recevoir quelqu'un avec qui nous allons discuter sur les questions de souveraineté, mais de souveraineté numérique cette fois-ci. Combien la RDC perd en termes d'argent en n'ayant pas sa propre entreprise ou société de télécommunications? Je dois rappeler aux Congolais que ça fait plus de 20 ans que nous sommes sous l'empire Yaba, entreprise étrangère qui nous donne le crédit, le forfait Internet, qui nous donne l'Internet, qui servent à notre communication. Il y a des enjeux, c'est vrai, des enjeux de souveraineté nationale, mais aussi des enjeux importants en termes d'argent. La gratuité de l'enseignement, le système médical, nos routes. Est-ce possible d'avoir autant d'argent dans un pays comme le nôtre? Je reçois un ingénieur. Loin de la politique, on parle aujourd'hui société. Ingénieur Tosha, ingénieur en télécommunication. Avec lui, on va débattre sur ces questions. Il y a beaucoup d'ambition. N'agitons le Bruno Lingala vraiment, même s'il aura du mal à définir certains concepts en Lingala. Mais tout ça, de façon que Boyoka convenablement du début jusqu'à la fin, pour que tout soit validé, n'agitons ça pour que le bise à la malade. Ingénieur Tosha Mbote. Bonjour, monsieur Christian Bosset. Vous allez bien? Très bien. Je rappelle que vous êtes ingénieur. Vous avez fait l'ISTA et vous vous êtes spécialisé en radio, télécommunication, je crois. Non, non, ça veut dire, bon, je veux nabungisser un peu. Okay. Oui, je fais l'ISTA, bien sûr. Je fais la radiotransmission. Radiotransmission. Je suis deux fois ingénieur. Je fais la radiotransmission, qui est une branche de l'électronique. Okay. Et après, je fais encore la licence. Je fais les télécommunications. D'accord. Voilà. Alors, télécommunications, aujourd'hui, vous le faites, vous terminez un peu plus tard. Disons, si si classe, moi, quand la pyramide était. C'est non, relatif. Non, moi, quand la 2005. Ouais. 2005, tu as déjà, à l'époque, il y a un téléphone et pas un abisso. Oui. On avait déjà oui. Le téléphone et pas un abisso. Mais est-ce que vous avez un abisso historique, il y a un téléphone, téléphonie, pardon, dans le Congo. Tu as dit qu'à l'époque, nous, on sait qu'on était jeunes, tu as dit que Télécel les Alaka. Après Télécel, tu as dit que CMS, c'est quoi. Un peu plus tard, CMS, c'est quoi, le téléphone, il y a graduellement. Qu'est-ce que la RDC topé Zaïre à l'époque Salaka pour attirer Bilokwana, avantage de la canine et désavantage de la canine? Merci. Au fait, téléphone, en vrai dire, ils ont outils où ils ont permettre Bissot de changer d'information à distance. À l'époque, il y a Zaïre, le maréchal Mobutu. La Koloba a monopolisé qui secteur y a télécommunication. Naebi ke batebele baebi un ingénieur azalaki rwandais qui s'appelait Miko. C'est lui qui avait amené pour la première fois société tobenga ka Telecel. Azalaki rwandais. Azalaki rwandais. C'était un ingénieur informaticien. Atangaki awa et pas na biso la polytechnique mais akenda ki pe ko pas faire ba études naye à l'étranger, pas Mindele. De côté à Outaki. À ce qui moi, mon solo moke, il s'est arrangé avec Asombi licence, il y a société moko américaine, pour na ayako implanter société naye ya téléphonie cellulaire à Wana Kinshasa. Okay.
Mais à l'époque, ils allaient tellement coûteux. Ma téléphone, notre Zakobin, la télécelle, il y a miné, voilà. Ils ont un peu volumineux avec une grande batterie. Ou ils ont une autonomie à Makassi. Mais ils allaient tellement cher que, après ça, qui cadeau d'abord la présidence de la République. Ils ont dit qu'il y a un bateau, il y a un sillage, il y a un président Mobutu. Le service n'a pas été utilisé. Il y a utilisé le téléphone, la télécelle, il y a un. Et comment qui vraiment dans grand public, bima qui est comme vulgaire, le rôle est le commun. Vous voyez? Donc, mais la téléphonie à l'époque, c'est qui l'apanage, il y a présidence. Tout ça qui est une antenne qu'on appelle antenne parabolique du type Cassegrain, où ils ont un niveau, il y a une scellée. Donc, on a type Cassegrain, on a trouvé un même. Oui, oui, voilà. Donc, tout ça, on a trois types. Il y a antenne, non, deux types, il y a antenne parabolique, quoi, Mounène. Tout ça, on a Cassegrain, tout ça, on a Grégorien. Où ils ont dépendre na nini na foyer central nango, ça veut dire émetteur secondaire, disons comment on appelle ça, réflecteur secondaire naie, soit des a elliptiques, soit des a paraboloïdes, des taux différentiels à Cassegrain na Grégorien, vous voyez, ils ont un bonnet. Vous voyez là, ils ont un deux hommes nango, mais c'est toi avancé. Voilà, maintenant et ils allaient qui le coup la porte d'entrée unique qui a République démocratique du Congo pour la appel internationaux, vous voyez. Mais il y a qui vraiment. Voilà, à l'époque, peut-être toujours la 243. Voilà, 243 et l'ingé koloba, 2 et l'ingé loba, préfixe, on a de l'axe Afrique. Ok. Le 2 veut dire Afrique. 43, là, le suffixe, là, veut dire tout simplement le 43e pays normalisé à l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Donc, on a été normalisé, ça veut dire nous sommes le 43e pays normalisé à l'UIT. Ah, donc, c'est toi, moi, je veux ça, pays, tout ça. Mais oui, je veux ça, pays, tout ça. Mais oui, je veux ça, comme un peu les bosseux, même sous les allées. Vous voyez? Donc, on a été normalisé. Mais l'Afrique du Sud, ils avaient 27, je crois. Voilà. Il y a Zamon les bosseux. Mais deux Wanapé, tant que vous avez l'Afrique, ça veut dire qu'il y a une fréquence qui appartient à l'Afrique. D'accord. Le 43, là aussi, qui est le 43e pays normalisé à UIT, a une fréquence propre. Vous voyez? Donc, notre pays, RDC, a une fréquence propre au UIT à Yébi, qui n'a la gamme à fréquence au ça c'est l'RDC. D'accord. Vous voyez, même si vous êtes n'importe où, quand tu veux appeler l'Afrique, si vous avez qu'il y a deux, babyke, ou soit au Bungi par exemple, na katia Zamba, mon ça l'appelle Mogoboy. Si vous avez qu'il y a plus de 100, baby déjà deux, c'est que vous avez Afrique. Vous voyez, donc ils allaient rendre bon. Alors, tout comme il y a 2000 ans, disons tant Mobutu Keï, Kabila le père Ekoya. Qu'est-ce que Kabila a mené en termes de téléphonie dans Burkina Faso? Non, non. Quand Kabila est arrivé, il a libéralisé le secteur de la téléphonie cellulaire. Ah, donc, il a libéralisé. C'est lui qui a libéralisé. Ah, ah d'accord. Okay. Donc, ça veut dire la première société de télécommunications qui est arrivée en RDC, je pense à l'époque, c'était Celtel. Celtel, oui. C'était Celtel. Bien avant Celtel et Ya, je pense, comme celle et Luka qui est Mekameka, mais Simbarate. Après Telecel. Bah, comme c'est les Lukaka, il y a certaines sociétés Lukaka qui ont une licence, mais bah, quand bah, l'équipement est malonga, vous montez, et Simbara vraiment t'es. C'est le tel temps où il y a. C'est le tel temps où il y a, c'est le tel n'a bandi vraiment exploitation. En 2000, j'ai paru. N'est-ce pas commis à Yokoma RTL après? N'est-ce pas à Yokoma Bazen, à Yokoma RTL, parce qu'il y a eu beaucoup de changements à la suite, quoi. RTL, c'est le tel à Yé, à bandi côté que la personne a téléphone ou a dit bossu à deuxième génération. Vous voyez? Parce que lorsque nous parlons de la télécommunication, nous avons des générations. Parce que ça, on parle du GSM. GSM qui veut dire Global Système Mobile. Ça veut dire que vous devez savoir que la téléphonie n'a pas commencé avec des téléphones mobiles. La téléphonie a commencé avec le téléphone fixe. Ça veut dire du temps de l'SCPT, de l'OCPT. Bah, téléphone est acquis fixe avec combiné, mais le support de transmission utilisé, c'était les câbles. Tout ça qui n'a pas câble moko, ma paire combinable, ou soit ma paire dissymétrique, ou tu vas ça doit nommer un téléphone. Vous voyez? Donc on ne pouvait pas se déplacer avec ces téléphones-là. Soit vous allez en Andak, ou soit vous allez en bureau, et vous allez en sur place ou en. Vous voyez? Donc il y a un moment, à une certaine époque, quand vous voulez appeler l'Europe, place de ce que vous allez, il faut se déplacer à Tina Poste. Parce que c'est là où il y avait des téléphones fixes. Pour ça, là-bas, appel na yo internationaux, soit une décomora lingi kobenga, soit une lingo benga de kosolanae. Et puis, c'était tellement coûteux, vous voyez. Mais avec l'évolution technologique, ça veut dire que nous avons deux sortes de supports de transmission. On a commencé avec des supports de transmission matériels. Les supports de transmission matériels, ça veut dire quelque chose qui nous aide à transmettre des informations à distance. Vous voyez, on a commencé avec des câbles. Otobengaki, Banautu, Lobabasingao, Yamiki, Wana, ma paire combinable, ma paire dissymétrique, ma paire quartiale, vous voyez. Mais après cela, cela a prouvé ses limites.
parce qu'on ne pouvait pas se déplacer avec un téléphone. Vous voyez? Mais, bah, comment on appelle ça? Bailleur de fonds, ou soit commerçants européens, sont allés voir les scientifiques pour leur poser le problème, pour leur dire que non, nous voulons que vous nous créiez un système où on peut téléphoner à distance, même en marchant. Parce que on a toujours du mal, peut-être en matière avion, j'ai téléphoné, peut-être je dois régler quelque chose, mais quand je suis à l'intérieur de l'appareil, il n'y a pas de téléphone, il faut la commande à nous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous nous créiez un téléphone, soit un appareil, pouvant nous servir à téléphoner, même à mouvement, sans qu'il y ait rupture de la téléphonie ou de la communication. C'est alors que les scientifiques se sont mis au travail pour créer maintenant un support de transmission immatériel qui était l'onde électromagnétique avec un émetteur récepteur qu'on appelle aujourd'hui téléphone mobile. Vous voyez, ça a commencé en Europe et ça a pris maintenant des générations. Il y a eu la première génération, mais ici chez nous, on a commencé directement à partir de la deuxième génération. Ça veut dire global système mobile. Donc, Telcel, c'est qui deuxième génération? C'est qui deuxième génération? Même si MSP, deuxième génération. Nous, on est qui deuxième génération. D'accord. À partir de la troisième génération. Troisième génération, il y a Sima. Après deuxième génération, nous avons eu le GPRS. Il y a eu le GPRS qui est une génération intermédiaire entre la deuxième génération et la troisième génération. Ça veut dire GPRS qui veut dire le mode de transmission des informations, des données en mode paquet. Ou on attend que tu changes ma téléphone. Tout le monde a un téléphone, nous, il y a Celtel, il y a Maya Pondou, il y a Vert. Il y a moi, bleu. Et puis, comme il y a sonneré, il y a changé. Comme il y a tin, tin, tin. Et comme il y a un petit moins de avec le fax similé à l'intérieur, ça veut dire qu'on pouvait maintenant te transmettre même un petit dessin. Moi, fleur, moi, monté, maman, il y a un petit dessin. Vous voyez? Là, tu commis sur quoi? On a deuxième génération. Vous voyez? Tu reviens à la deuxième génération, mais intermédiaire. Disons, je pérès. C'est après la deuxième génération qu'est arrivée la troisième génération avec le smartphone. Donc, tu commis un téléphone, capable de faire entrer un abonné à partir, disons, de son téléphone, à accéder à Internet directement. Là, maintenant, nous sommes dans la troisième génération déjà, UMTS, Universel Système de Télécommunications Mobiles, où on a déjà ayé à partir, il y a un smartphone, vous voyez. Mais après cela, en 2002, une société Ndeyaki, et concurrente, c'était Vodacom. Donc Vodacom y est, après la société Bandi Koyana Simaba Tigo. Mais qu'est-ce qui a fait que Vodacom, depuis Banda Tilolo, va changer de RTL, va changer, va comme Zen, RTL, Celtel, tout ça. Mais pourquoi Vodacom a gardé sa même logique, Tilolo? Non, non, mais Vodacom, c'est échange à peu. La minute, tu es comme Vodafone. Ah oui. Et comme Vodafone. Parce que la société, au fait, d'après les informations récits, ils ont la société à Reine d'Angleterre, d'après les informations reçues. Ils ont une société là. Mais les gens qui ont beaucoup d'argent, par contre, ils ont sollicité une licence d'exploitation. Non, je peux mettre de l'argent. Ok, dans Vodafone, on ne peut pas s'engager parce qu'il y en a qui ont implanté le réseau. Voilà, voilà. Ils vont te demander si vraiment qu'il y a des conditionnalités. Il faut respecter prescrit na bango, norme na bango. Voilà, voilà. Tu pars, tu implantes le réseau et puis vous travaillez. Mais on dirait, oh, il y a un abysso, il y a un abysso sud-africain. Vous voyez, Zaraïba sud-africain, ces exploitants sud-africains. Mais avant, pas plus, où met le pénamingité, on dirait qu'ils changeaient qui même. Au moins, même la couleur, on a changé, le logo est changé. Ils ont mis le pénamingité à Vodafone, à Kalao, ils ont Motane. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Alors, le Congo, maintenant, dans tout ça, mutation, les Osalemas, 3G, 4G, on en parle maintenant, dans 5G. Le Congo est où? Qu'est-ce que le Congo perd, Nabiloko? Est-ce que d'abord le Congo gagne en ayant autant d'entreprises étrangères ou à sa communication? Qu'est-ce que nous perdons en termes d'argent? Qu'est-ce que nous perdons en termes de souveraineté? Oui, j'ai du mal à comprendre que ici, en RDC, les politiques, ça veut dire les gens qui ont le monopole de gérer l'État, pensent que la seule route ou la seule voie pour avoir de l'argent, c'est le mine. Ils se trompent, vous voyez? Aujourd'hui, il y a une denrée rare qui est vraiment précieuse, qui se vend chaque jour, à chaque instant, c'est l'information. S'il y a l'information, qui est la guerre, qui est émeute, qui est quoi, qui est désordre, les gens communiquent toujours. D'ailleurs, c'est lors de la crise que voilà, d'ailleurs, c'est pendant la crise, quand il y a la guerre, quand il y a des troubles dans un État, que c'est en ce moment-là que les gens communiquent beaucoup. Vous verrez, chaque 30 minutes, chaque 20 minutes, la famille veut savoir comment va Christian Bossembe à Kinshasa, comment va-t-elle à Mbandaka, comment va-t-elle là-bas, au Bas-Congo, vous voyez. Donc, chaque jour, les gens communiquent. Vous voyez? Mais nous, malheureusement, en RDC, premièrement,
Les sociétés de télécommunications qui sont ici, privées, ne sont pas organisées. Comment ça va s'organiser? Non, non, ils ne sont pas organisés parce que l'État n'est pas organisé pour essayer de contrôler ces gens-là. Parce qu'ils doivent payer des taxes. Vous savez, lorsque nous effectuons des appels de l'extérieur du pays, ça veut dire les appels entrant comme sortant, des appels internationaux, où vous êtes obligé de mentionner le code 243, plus 00243. Vous voyez, même quand vous sortez ou vous entrez, vous devez payer une taxe. Ça veut dire que l'État doit prélever quelque chose dans tous ces appels-là. C'est comme ça que ça doit se passer. Ça se passe comme ça partout ailleurs. Souvenez-vous, à une certaine époque, il y a eu une revendication de la société OCPT, avant comme SCPT. Société, il y a eu un conflit entre OCPT avec l'ARPTC. Hein? La société, disons, la structure... Vous expliquez, monsieur, par RTPC. Oui, RTPC. Nous, on va passer en réalité. Maintenant, vous avez que, dans mon cas, tout ça, selon l'explication, tout ça, on a un appel entrant, on a un appel sortant. Alors, appel entrant, on a un appel sortant. Ils ont dit en termes local, en termes international. Je parle de l'international. Parce que sur les appels locaux, je ne sais pas comment l'État s'organise pour prélever quelques dividendes là-dessus. Mais je parle maintenant des appels extérieurs, parce que c'est là où l'État amasse un peu de l'argent. Vous voyez, des appels entrants, des appels sortants. Donc, Mbongo et Outarandewana. Mbongo et Outarawana. C'est comme les sociétés des brassicoles payent la taxe par bouteille, non? Quand vous produisez autant de bouteilles, la société, soit la ville, prélève autant sur chacune des bouteilles. C'est comme chez nous en télécommunication, tous les appels entrants, sortants, ça veut dire international, internationaux. Donc, l'État prélève aussi de l'argent. Mais voilà, c'est ça, j'en viens. Normalement, sur d'autres cieux, l'État s'organise à avoir un seul gateway. Ça veut dire une seule porte de sortie et d'entrée nationale. Vous voyez, nous devrons avoir un gateway unique. Ça veut dire, oui, oui. Gateway unique, c'est quoi? Parce que lorsque nous voulons faire un appel international, ça veut dire que nous devons passer par un support de transmission ou soit un relais spatial qui va essayer de nous mettre en contact ou soit de joindre deux pays ou des États vraiment éloignés. Et nous avons des relais qui sont terrestres, nous avons des relais qui sont des relais spatiaux, mais parmi des relais spatiaux, nous avons le satellite parce que ce n'est pas le seul relais qui puisse exister. On peut aussi faire une transmission transhorizon en utilisant une couche atmosphérique que l'on appelle le troposphère qui se trouve à 12 km de la Terre. Ça veut dire une couche. La troposphère. Troposphère. Nous avons trois couches atmosphériques au-dessus de nous. Nous avons le troposphère, nous avons le stratosphère et nous avons le lionosphère. Ça veut dire le troposphère à 12 km d'ici, qui est caractérisé par le nuage que vous voyez, le cumulonimbus, le nuage que nous voyons ici. Et la deuxième couche atmosphérique qui vient du troposphère vers la stratosphère, 50 km qui sépare les deux couches. Et la deuxième couche, à la dernière couche qu'on appelle l'ionosphère, qui est caractérisée par un plasma d'électrons qu'on appelle l'ionosphère, 50 encore kilomètres. Ça veut dire qu'on peut utiliser aussi la couche troposphère pour faire une transmission transhorizon, mais seulement la fréquence doit être inférieure à 40 MHz, mais la portée aussi sera réduite. Donc la portée, ça veut dire la distance qui existe entre une antenne d'émission et une antenne de réception. Comment je peux dire, illustration pour comprendre, quand on parle de la portée, au moins, tout qui au sommet même monduki, la balistique, bateau va utiliser monduki aux amours militaires, oui, tant que bien monduki au porté dans les années, monduki au porté dans 2 km. Ça veut dire, à partir de là où tu es, au tiré, au bétil, ça, si, loin, il soit 2 km, il y a trajet, pour ça, nini, et quoi, ça veut dire, porter aussi dans un signal téléphonique. Et Zappé Bongo, place Nazali, je pompe un signal à partir d'une antenne d'émission qui est ici. Portée Nanga, ça veut dire place signal n'a pompé. Si place Rokeneko s'évanouir, on appelle ça évanouissement. Ça veut dire le fading. Place Rokeneko Kouyamaka Sinango et Sili, c'est ça qu'on appelle cette distance-là. Place Yotindi signal, na place Yango et Kouy, c'est ça qu'on appelle portée. Portée, vous voyez. Mais lorsque nous utilisons maintenant la couche troposphère, tellement que Zamon Sika Mingitenabiso, la portée sera comme ça. Ils ont la réduite. Ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre le monde entier, quant à ça. Mais c'est une stratégie, une méthode qu'on utilise lorsque peut-être traverser le rôle de la forêt équatoriale. Parce que c'est une forêt dense, vierge. Personne ne sait ce qui se trouve à l'intérieur. Mais lorsque nous voulons maintenant traverser cette forêt-là, par peur, parce qu'à l'intérieur de cette forêt, on ne peut pas placer des stations relais passifs,
Nous avons une route à la forêt équatoriale, à éviter ceux qui sont zombies, ceux qui sont dans la carte. Mais pour bypasser, ou soit, les kayango, sans que tout connaître les dégâts, on peut utiliser la couche troposphère. On appelle ça une transmission trans-horizon. Mais si nous voulons aller vraiment loin, état, état, continent, continent, là, nous utilisons maintenant le satellite. Le satellite. Donc, si on a un par exemple, le docteur Jean Bellé, dans les États-Unis, j'utilise. Tu dois passer forcément par le satellite. Ok. C'est le satellite qui est une. Strasto. Non, non, satellite, maintenant, nous avons aussi trois sortes de satellites. Le satellite se place sur les orbites. Vous voyez? Ça veut dire les orbites qui sont des trajectoires sur lesquelles on place le satellite autour de la Terre. Vous voyez? Nous avons des satellites LEO. Ça veut dire le Earth orbital, ça veut dire des satellites à faible altitude, dont la distance, l'altitude varie de 750 mètres à 1500 km. Nous avons des satellites MEO, Medium Earth orbital, dont l'altitude varie de 2 km à 10 000, vous voyez, kilos. Et nous avons le troisième satellite, les satellites géostationnels, qui se place sur la dernière orbite, vous voyez. Ces satellites-là se trouvent à 36 500 km de la Terre. Voilà, bien un satellite synchrone ou géostationnaire de télécommunication. Donc, on a continué notre explication à la satellite, mais on a expliqué, parce que ceux qui ont besoin de satellite, vous devez savoir de quel satellite il s'agit-il. Il faut voir la performance à chaque type de satellite, et puis mes faits n'ayant. Vous voyez. Mais comme on a une question sur le gateway, ça veut dire satellite ou on a, et ça, là, il y a pont, et ça, là, il y a relais. Hein, yo bengi. Donc ça veut dire que tu dois passer par une antenne parabolique qui est terrestre. Hein, une station terrienne qui est terrestre. Au sali appel et naïo, et l'équipe antenne parabolique yana, qui est terrestre, yazu yango, amatisi yango na satellite. Vous voyez? Satellite yazu yango, akitisi yango na mboka o yo, o bengeli. Donc au fait, le satellite a zaka ka relais. Et c'est comme un miroir. Hein, au béti signal, il y a réflexion du signal. Signal est optique géométrique. Autant que vous avez na physique. Ouais, on ne comprend rien. Voilà, on ne comprend rien. On comprend. Tant que tu as un miroir, ceux qui m'ont ébimé, ils ont un miroir au Tcheboué. Lumière, il y a un miroir et bête. C'est ça l'optique, c'est ça la réflexion du signal. Ah, en fait, c'est ça le travail d'un satellite. Okay. Donc, signal est outil, le satellite a bête, a sali bon, a quitté dans le yo yo lingi. Voilà. Mais maintenant, gateway, c'est ça cette porte-là. Comment l'État prend l'argent là-bas? L'État prend l'argent comment? Ça veut dire, aujourd'hui, ici, en RDC, c'est une tristesse. C'est une tristesse, pourquoi? Parce que l'État ne sait pas contrôler ce secteur-là. Comment ça? L'État ne sait pas contrôler ce secteur-là. Or, on devrait normalement, l'État congolais devrait normalement, obliger toutes ces sociétés de télécommunications de passer par une seule porte pour qu'il y ait un contrôle effectif. Ça ne suffit pas d'aller demander aux sociétés de télécommunications de vous déclarer les appels qu'ils ont effectué pendant un mois pour qu'ils vous payent. Vous voyez? Aujourd'hui, chacune de ces sociétés de télécommunications a sa porte de sortie, a son gateway. A Bimaranandenge naye, à Kotaranandenge naye, vous voyez? Et nous, maintenant, pour recouvrir nos taxes, pour l'État bénéficier de la taxe naye, c'est l'État qui va maintenant vers ces entreprises-là pour leur demander, bon, là, c'est soit bon, c'est bien relevé, à Bapel, là, nous sommes au salaire qui est dans moi. Ou soit pour ça qui durant toute cette période pour n'abo foutre ta taxe. Or, ces gens-là, nous savons, ce sont des magouillères. Ces gens-là ne disent jamais la vérité. Ils peuvent avoir fait 300 000 appels internationaux et vous déclarent 10 000. 10 000. Parce que vous n'avez aucun moyen de les contraindre, de les vérifier, de contre-vérifier. Or, l'État congolais, normalement, par l'entremise du ministère de PETENTIC, Poste et Télécommunications, Nouvelle Technologie, qui sera secondé par une pièce maîtresse qu'on appelle l'ECPT, et l'RPTC, son travail, normalement, doit être greffé dans l'SCPT pour contraindre ces gens-là, vous voyez, à passer par une seule porte. Et nous allons placer notre plateforme, ce qu'on appelle une plateforme partie intelligente, au niveau de cette porte-là. Vous voyez? Prenons le cas, ça se passe comme ça. Ça veut dire, nous, l'RDC, parce que pour le moment, on n'a pas besoin d'avoir un satellite de télécommunication. Premièrement, ça coûte cher. Et puis, la durée d'un satellite sur l'orbite, c'est 9 ans. Ceux qui ne font l'équipe, satellite, normalement, il fait comment? Il faut que vous bandez la route. Donc, vous bandez la route. Si quelqu'un a dit que vous avez un satellite, vous avez une poubelle. Et c'est belle en orbite. Vous voyez? Un satellite coûte cher. Vous voyez? Et puis,
Na minute soyo tozana posa prioritaire ou nos satellites à télécommunication exact. On n'a pas assez de moyens. Mais on peut s'organiser. L'État congolais peut s'organiser, entrer en contact avec des organisations qui gèrent des satellites dans le monde. Ils sont nombreuses. Oh, comme Anani. Comme Eutelsat. OK. Comme France Télécom, comme Inmarsat. Vous voyez? Bangonde baza. Baza na organisation ba gère ba satellites. Inmarsat peut en avoir 24. 24 satellites. 24 satellites sur l'orbite. Ils gèrent ça. Ça veut dire l'État congolais peut entrer en contact avec une Marsat, ils sont nombreux. On appelle ce coup de Zara, il y a des Européens peut-être, bah, Asiatiques aussi, bah, bah, Chinois, bah, bah, satellites sur l'orbite, bah, Coréens aussi. Ça veut dire chercher tout simplement une bande passante nationale. Demander à ces gens-là de nous donner une bande passante nationale, au national, au Congo, et comment on a utilisé. Une bande passante, au fait, c'est comme une porte. Mais toi, tu as la bande passante, elle est là? Non, non, sur le plan national, il n'y en a pas. Sur le plan national, ça veut dire Moka. Ce sont des privés. Ces sociétés de télécommunications privées, chacune d'elles possède sa bande passante d'utilisation. Que l'État ne peut pas contrôler. L'État ne peut pas aller là-bas. Parce que c'est vraiment privé. Vodacom, RTL, Orange, ma société, ma Solarana Bango, ma Sala Contrat pour la bande passante dans satellite. État, il n'a pas besoin de ça. Tant qu'on a Bengi, l'État Bengi suit combien? N'appelons on a sali, n'appelons yo sali, n'appelons de commission sali. En termes d'appel, en termes de méga, parce que ça n'a pas de 10 dollars et à crédit chaque jour. Voilà, je vais maintenant vous expliquer comment. Mais ça vaut plus, hein. Voilà, la route est déjà co-expliquée. Ça veut dire que l'État devrait normalement parler avec une organisation des satellites comme Inmarsat pour nous donner une bande passante nationale. Et nous, maintenant, nous allons créer un hub, ça veut dire un gateway unique pour la République. Une grande porte comme celle qui se trouve au niveau de la Renatelsat, au niveau de l'Ancelé. Vous voyez? Ça veut dire qu'on contraint maintenant toutes ces entreprises de téléphonie cellulaire de passer par cette porte-là. Donc, ne peut sortir de la République, ne peut entrer que par cette voie-là. Et maintenant, nous, l'État congolais, nous allons placer un filtre aiguillère là-bas avec des antennes faisceaux hertziens dirigé partout et que maintenant ces entreprises là ceux qui balingi basa la bapel na bango sortant ba rolé kaka kawana na gateway na biso national et puis biso to bimisi yango to tini ba on a satellite et celle de communication na bango, ça veut dire ils vont nous payer notre taxe et nous allons payer maintenant aux gestionnaires de ces satellites. L'avantage c'est que nous aurons maintenant premièrement l'autonomie, et nous aurons maintenant la crédibilité. Ces gens-là vont avoir peur de nous. Parce qu'une fois que ça dit moi, va commettre forfait. On peut les sommer. On peut même bloquer. Vous voyez, on peut bloquer leurs appels en sortant. Vous en a relevé. Pour le problème que m'appelle le côté qui est autant. Oui, c'est ça que j'ai dit. Et ça ne sera plus l'affaire. Il y a une opération. Non. Ça, maintenant, ça sera une mesure contraignante. Aux juristes, ça veut dire au niveau du gateway là, il y aura une plateforme, ça veut dire une cellule informatique avec des programmes bien établis. Tous les appels entrants, parce que chacune de ces sociétés de télécommunications a une fréquence. Donc quand un appel sort, avec une fréquence X, on sait directement savoir que ça c'est la fréquence Vodacom. Quand ça sort avec une fréquence Y, on sait que ça c'est une fréquence Y. Donc directement à la fin du mois, il y a un relevé qui sort avec le nombre d'appels entrant et sortant de telle autre entreprise, et vous leur soumettez cela, et ils vous payent directement. Là, nous sommes forts, et nous le contrôlons aussi. Maintenant, quand nous allons sur le plan de manque à gagner dans le domaine des télécommunications, par exemple, vous voyez, nous manquons une société de télécommunications nationale. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il faut en avoir? Il faut en avoir. Mais parce que c'est la concurrence déloyale. Non, il faut en avoir. Dans tous les pays, il y en a. France Télécom existe. En Brazza, ici, quand vous allez au Congo, Brazza, Liberty, ça existe. C'est une société nationale. Vous voyez? Dans tous les pays, il y en a. Au Cameroun aussi, il y a une entreprise. Il y en a. Nationale. Vous voyez? Nous devons en avoir parce que c'est une source de revenus capital. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez, aujourd'hui, la société ici, Orange, il a aujourd'hui près de 17 millions d'abonnés. Hein, si nous allons directement par rapport à son parc électronique, ça veut dire le nombre de téléphones de ses abonnés, 17 millions d'abonnés. Mais si nous réfléchissons par absurdité, ça veut dire que nous faisons une moyenne simple, profil bas, que chaque abonné rechargeait 1 dollar par jour. Donc par jour, Orange Télécom RDC réalise 17 millions de dollars.
Vous voyez? Bon, prenons le cas que ce n'est pas les 17 millions qui ont chargé, qui ont chargé leurs unités. Nous prenons 15 millions. Quand vous prenez 15 millions de dollars par jour, multiplié par 7, et vous prenez la somme là, multiplié par 30, vous prenez la somme là, multiplié par 12 pour faire un an, vous aurez 4 milliards 360 millions de dollars. Je ne vous suis pas dans le calcul parce que je suis très faible là-bas. Non, non, mais je crois en vos calculs. Je sais que les téléspectateurs, il y a ceux-là qui ont leur calculette. Ils peuvent faire des calculs, je peux me tromper aussi. Mais qu'ils fassent tout simplement le calcul pour voir 15 donc, millions par jour multiplié par 365 jours. Multiplié par 365 jours. Ouais. Ils vont avoir le montant que gagne une société de télécommunications comme Orange chez nous au Congo. Mais nous allons déduire les frais de fonctionnement, amortissement. Mais non, là, ça serait maintenant une affaire nationale. Ça veut dire que quand c'est une affaire nationale, cette société sera exonérée de certaines taxes. T'en fous ta taxe parce que c'est une société nationale. Peut-être frais à fonctionnement pour payer les agents, amortissement de matériel. On peut déduire 25% dans ce mois-là. Quand vous avez 4 milliards 360 millions de dollars, sur déduire 25%, il nous reste quelque chose. Cet argent-là peut être déversé dans la trésor public. Ça peut aider l'État congolais à suppléer la gratuité de l'enseignement qui continue à souffrir aujourd'hui. Ça peut aider l'État congolais. Même 1 milliard dans le secteur des télécommunications. Tu sais que c'est beaucoup, mon frère. 1 milliard. Par an, c'est beaucoup. Par an, c'est beaucoup. Mais nous n'en aurons pas 1 milliard. Nous rejoindrons peut-être 3 milliards. Ouais, là, pour une unité, mais tout le monde est méga. Voilà, là, je parle en termes d'unité. Ouais. Or, nous savons qu'en téléphonie cellulaire, on n'a pas que des unités qu'on recharge. Oui. Nous rechargeons aussi le méga, ça veut dire des données. Vous voyez? Or, il y a des entreprises qui rechargent 300 dollars par jour. Il y a des banques qui s'affilient. Dans la société de télécommunication, sont abonnés. Ils rechargent 300, 500 dollars par jour. Les gens. Mais comment vous allez faire pour avoir, par exemple, plus d'abonnés quand on sait dans un marché où il y a concurrentiel? Non, non, mais c'est facile. Comment ça nous avons une population qui est nationale avec une. Mais les journalistes sont là, vous êtes là pour faire une conscience nationale, descendre dans les universités, descendre chez le militaire, dans des camps militaires, aller vers le fonctionnaire de l'État. Nous avons combien de fonctionnaires d'État? On leur donne le téléphone. Est-ce que nous n'allons pas tuer les marchés? On ne va pas tuer les marchés. On ne tue pas, on fait une concurrence loyale. Parce que c'est une société nationale, vous voyez, qui va respecter des règles de jeu. Mais on paie sur les 80 millions d'habitants. Si nous avons ne serait-ce que 1 million, ou soit nous avons ne serait-ce que 20 millions d'abonnés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est une belle affaire. On aura beaucoup d'argent. On aurait un problème d'infrastructure. Non, non, l'infrastructure, c'est ce que j'ai dit. Oui. Si je fais un petit calcul, nous considérons un équipementier qu'on appelle ZTE. Parce que ZTE, c'est lui qui fabrique les équipements de la téléphonie cellulaire. Huawei fabrique aussi. J'en viens. Nous avons ZTE, nous avons Huawei qui est aussi un équipementier, nous avons Ericsson, nous avons même Nokia. Vous voyez? Il y a beaucoup d'équipementiers qui fabriquent. Nous avons aussi Alcatel, qui est un équipementier français. Mais lui, il a vraiment de la qualité, puis il coûte très cher. Vous voyez? Mais si nous prenons tout simplement une population de à peu près 400... nous prenons une superficie dans un territoire de 400 000 km². Vous voyez? Avec une couverture de 80%. Vous comprenez? Si on utilise les équipements ZTE, ces équipements coûtent cher deux fois plus que les équipements Huawei. Donc avec 300 millions de dollars, nous avons les réseaux. Nous commençons à installer les réseaux. Mais si maintenant nous allons vers un équipementier comme Huawei, dont le prix sera deux fois moins, et lui il donne aussi des crédits. Parce que Huawei aujourd'hui peut vous amener les équipements. Il dit bon, je vous installe les réseaux et vous allez me payer pendant 10 ans. C'est une belle affaire. Vous voyez? Bien que certains de ces équipements chauffent, quand nous prenons les RRU, par exemple, ça veut dire des Control Channel Unity, ça chauffe un peu, parce que j'ai installé ces équipements-là lorsque j'étais attaché à technique chez Orange. J'ai installé dans le projet Safari. J'ai travaillé là-bas. Ça chauffe, mais on peut récupérer même les dishes. On peut récupérer des panels. On peut récupérer des DCDU, on peut récupérer tant d'équipements. Mais dans ce qui chauffe là, on peut faire appel à ZTE, on peut faire appel à l'Alcatel. Ça veut dire,
avec 150 millions de dollars, on peut commencer à avoir déjà un réseau de téléphonie cellulaire. Et on n'est pas obligé d'implanter ça partout au même moment. Un réseau s'implante progressivement. Oui, parce que au fur et à mesure que... Tous les réseaux aussi, voilà, été implantés le voilà. Même jour. Ça veut dire ouais. Au fur et à mesure que vous exprimez les besoins, vous la population. Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord une étude de marché. Ouais. Vous ne pouvez pas implanter un réseau là où vous avez 10 personnes tout simplement. Vous venez mettre une grande antenne là. Qui doit fonctionner 24 heures sur 24. Je me rappelle encore, Africell a pris du temps pour être implanté. Voilà. Mais non, Africell d'abord, oui. ça c'est pas un réseau, je t'ai dit. Oh. Africell, c'est un mauvais réseau qui utilise les reuse. Comment ça veut dire des équipements, je te parle. Comment ça, mais il y a certains équipements tu qui étaient contre publicité contre Nabango. Non, non, pas. Moi, je parle la vérité. Oui, je fais le projet Safari pour passer de 3G à 4G, vous voyez. Je fais ce marché-là. Ça veut dire qu'il y a certains équipements qu'on a enlevés chez Orange, que Africell est venu récupérer. Ça veut dire une antenne qui a déjà fonctionné. C'est ce qu'on appelle reuse en anglais. Mm. Ça veut dire une antenne qui a déjà fonctionné. Et ils viennent, ils rachètent ça, ils mettent chez eux. Mais est-ce que c'est mal? Bon oui, pour la performance, c'est mal parce que un item électronique a une durée. Si un homme a une durée de vie sur Terre, a fortiori quelque chose que lui-même a fabriqué. Ça a une durée. Parce que tous les équipements que nous allons utiliser auront une durée. Au-delà de cette durée-là, il faut renouveler le matériel. C'est ça qu'on appelle l'amortissement. Même vous avez un véhicule, après avoir roulé autant de semaines, autant de mois, peut-être il faut changer les roues, les pneus. Il faut faire, faut changer peut-être le banc de frein, voilà. C'est comme les équipements électroniques aussi. Mais comment on fait maintenant, Nambo Cannabis, par exemple, parlons-en, comment on fait pour réussir ce marché-là? Par où on peut commencer? Par où dire, bon, voici, tu bandit boé, tout ça, la boé, tout canon boé. Premièrement, le secteur des télécommunications chez nous, en République démocratique du Congo, n'est pas organisé. On manque encore de l'argent commun. La fibre optique qui est un support de transmission de la dernière génération. La fibre optique, qui fait une adaptation de l'information sous forme lumineuse, avec une vitesse de 3 fois 10 exposants, 8 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse de l'onde électromagnétique dans le câble, les câbles guidés de la fibre optique. La dernière génération du support de transmission par le monde, dans le monde, c'est la fibre optique. Bien que nous avons un retard de 30 ans, parce que la fibre optique a commencé à exister en Europe, il y a déjà 30 ans passés. Mais ici, chez nous, c'est à peine que nous commençons un peu à se réveiller pour avoir la fibre optique, encore que c'est très mal organisé dans la République. Il y a des endroits où la fibre optique, elle est qui n'a bilanga batou même pas la bilanga, parce ouais. qu'on devrait normalement garder ce monopole-là. Parce qu'aujourd'hui, avec le 3G, ça veut dire avec l'appel de l'Internet dans nos smartphones, nous avons du WhatsApp, nous avons du Viber, nous avons du Imo, nous avons tous ces réseaux sociaux-là. Utilisent une connexion Internet. Et puis la connexion la plus rapide aujourd'hui est obtenue que par la fibre optique. Parce que la fibre optique a une grande bande passante. Il n'y a pas congestion dans la bande passante, vous voyez. Et puis, il y a une reproduction fidèle de l'information de l'aller vers l'arrivée. La fibre optique est fiable par rapport à tous les autres supports de transmission qui ont précédé. Vous voyez. Nous sommes maintenant dans le 3G, 4G. Parce que le 5G, c'est encore en phase expérimentale. Ce n'est pas encore vulgarisé. Oui, mais l'iPhone 12 mais c'est ce que je dis maintenant. Le 5G, c'est en phase expérimentale. D'accord. On n'a pas encore commercialisé cela. Jusque là, nous sommes dans le 4G. Ça veut dire GSM de la 4e génération. Vous voyez? La fibre optique aujourd'hui, il y a une société ici qui a fait son backbone à partir du Mwanda. Vous venez de Mwanda, non? Du point d'atterrage. Vous avez vu là où nous avons eu notre connexion. Mais le point d'atterrage, il faut aller à l'État. Il faut que non, non, le point, oui, le point d'atterrage appartient à l'État. Nous sommes connectés à partir d'un câble sous-marin de Watts, une société anglaise. Mais nous avons une autre connexion à partir de l'Afrique du Sud. Vous voyez? C'est Watts qui coopère, qui gère ça. Notre point d'atterrage est là. Nous avons eu la connexion. Jusqu'au niveau du territoire à Mwanda. Les équipements sont là. Vous voyez? Mais normalement, c'est l'État congolais qui doit prendre ce signal-là. Du Mwanda jusqu'à Kinshasa. Et faire maintenant le réseau. Ou soit les FTTH. Les FTTH, ça veut dire le réseau domestique. Comme ça s'est fait sur d'autres cieux. Hein? Aux Anamois, arrêt des bus, au Koti, directement, moi, Wi-Fi, voilà, voilà. Mais ici, chez nous, le FTTH n'est pas encore pris en compte. Mais seulement transport d'abord, le backbone, la première phase. Backbone des... Backbone, ça veut dire back, qui veut dire derrière, bone, qui veut dire colonne. Ça, c'est une définition, je peux dire, étymologique, quoi. Ça veut dire, c'est une ligne qui relie deux grandes villes
sur laquelle d'autres villes vont s'alimenter. Ça veut dire la ligne qui quitte Mwanda jusqu'à Kinshasa, en partie de la fibre, quand ça arrive au niveau de Matadi, Matadi fait quoi? Matadi se dessert, vous voyez? Il prend une partie. Quand ça arrive au niveau de Boma, Boma aussi prend une partie. Ça arrive au niveau de Manzangungu, Manzangungu prend une partie. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver à qui? À Kinshasa. Mm. C'est ce qu'on appelle backbone. Backbone, ok. Voilà. Alors, qui doit faire le backbone? L'État? Le backbone, c'est une affaire de l'État. Obligatoirement? Obligatoirement, c'est une affaire de l'État. Pour garder l'autonomie et pour ne pas faire la foute des capitaux. Mais est-ce que le lieu est à bon? Aujourd'hui, on a plus ça. On avait initié le premier backbone, la première phase de la fibre optique qui avait quitté Mwanda jusqu'à Kinshasa. À l'époque où M. Kinke Mulumba était ministre de Petentik, il nous a vanté fibre optique, fibre optique, fibre optique. C'était du zéro fiasco. Oh, Yamandi. Non, la fibre optique est là, oui. Mais ce n'est pas la fibre optique. Oh, c'est quoi? C'est tout sauf la fibre optique. Oh, mais elle est là, mais ce n'est pas ça. Elle est là. Donc c'est la théorie des bonbons. C'est... Bonbon même, c'est bon. Mais parce que c'est sucré. Mais c'est quoi là? Non, ça veut dire quand on parle d'un réseau fibre optique, oui. D'un backbone, il n'y a rien là-bas qui soit un backbone. Parce que normalement, la fibre optique, avant d'utiliser, ou soit avant de l'implanter, on a fibre optique, le quoi, on a câble à courant. Il y a des études préliminaires qui s'effacent avant. Ce qu'on appelle le survey. Ça veut dire le survey, c'est une étape où les ingénieurs descendent sur terrain avec ceux qui ont fait la topographie pour faire l'étude de sol. Parce que la fibre sera enfouie dans la terre. Nous devons savoir d'abord quel est le type de sol. Toro qui est en profondeur, Nini. Parce que l'excavation qui veut dire creuser, la profondeur de l'excavation dépend d'un type de sol. Namwanda Kuna, peut-être, c'est un type de sol qui est argilé compact. Au comme à côté, monsieur, c'est un type normal sablonné. Au comme à côté, monsieur, c'est un rocaillé. Sur le commune de Matadi, ils allaient rocailler, ils allaient dur, ainsi de suite. À chaque type de sol correspond une profondeur à aller. Bango ba sala yangote. Et puis fibre optique, ba tchaka yango na kata conduite moko to meka gaine protectrice qu'on appelle HDPE en anglais HDPE. Ils allo ko la PVC pression. Yango tang ba tchaka yango na se, on met ça en premier lieu et puis la fibre optique vient à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la fibre optique, elle est fragile. La fibre optique en elle-même, elle est constituée du silice, en verre de silice. Et ça, verre et silice, n'est-ce pas, la maïwana. Il y a silice ici. Or, c'est un câble creux. Et ça, il est doux sur la carte. Mais ce qu'on a, c'est un verre. Mais quand vous prenez maintenant un câble vert, tant qu'au salon anglais, il y a 90 degrés, puis demi, ça fait quoi? Ça se casse. Or, lorsque le verre se casse, la lumière fait quoi? La lumière sort. Et si la lumière sort, il y a l'affaiblissement. Vous voyez? Or, le signal, c'est cette lumière-là qu'on doit canaliser du point A vers le point sans B. Sans aucune perte. Sans aucune perte. Bien qu'il y ait des pertes admissibles, par kilomètre, des pertes linéiques, qui est des pertes admissibles, parce que chaque signal électronique qui quitte un point A vers le point B dégage toujours des pertes. Mais pertes, c'est un hasard connu. En un kilomètre, on doit avoir peut-être une perte de 0,2 décibels. Décibels qui est l'unité des gains. Mais lorsque vous avez beaucoup de pertes, c'est qu'au quotidien d'un signal, il y a 10 décibels dans Mwanda, mais dans Kinshasa, il y a et commis 1 décibel. Parce que il y a trop de cassures, il y a trop de ruptures en cours de route. Mais Moussala, il y a King qui est là qui n'y exactement. Non, ça veut dire quoi? À cette époque-là, ils nous ont pris pour de bêtes. Parce que moi, j'étais pas dans le pays. Moi, j'étais à l'extérieur du pays en train d'étudier. Mais à cette époque-là, la fibre optique n'était pas ici. Et puis, on avait peu d'ingénieurs de télécommunications qui connaissaient encore ce support de transmission. Certes. Vous voyez? Alors, cette affaire-là, au lieu de donner ça aux techniciens des SCPT, qui était l'organe destiné à veiller sur ça, Boubengiba chinois, c'était une compagnie CITCC. Une compagnie chinoise, CITCC, qui a travaillé sur cette fibre optique-là. Vous voyez? Mais cette société, qu'est-ce qu'elle a fait? Bazui Mbongo dans le gouvernement. C'est la Banque mondiale qui a financé, apparemment. Mais bon, on a tangoyé. Nakata cahier des charges, ce qui était prévu d'être fait, bah salaté. Or, la gaine protectrice dont je vous dis là, au Nalobi HDPI, au Bakot sa fibre Nakati, ça coûte cher plus que la fibre en elle-même. Bah ça y a ngoté, papa Nangaï. Il n'y en a pas. Quand vous quittez Mwanda jusqu'à Kinshasa, la fibre optique est enfouie dans le sol comme un câble de l'électricité. Donc King nous a tous roulé au fait. Vous voyez? Et puis, il n'y a pas eu de superviseurs techniciens. Donc, ces gens-là qui travaillaient, ces Chinois-là, travaillaient seuls.
Pose-moi la question, je m'excuse parce que les questions sont à vous. Oui, pas de... Mais voyez, mais qui supervisait ce travail-là? Mais c'est la question. C'était le membre du gouvernement et puis le membre de la présidence des républiques. Attendez deux secondes. C'est les gens qui n'avaient pas de compétences, qui ne connaissaient absolument rien. Ils n'étaient pas des techniciens, ils n'étaient pas des télécommunicants. Ils étaient tous sauf des techniciens. Ils étaient tous juristes peut-être, économistes, je ne sais pas, politologues, mais ils n'étaient pas techniciens. Ils n'étaient pas électroniciens. Tout sauf Bango. Ouais. Mais alors dites-moi, donc, en termes simples, Bakunda, il y a eu détournement. Ça veut dire l'argent qu'on allait acheter les HDPI a été détourné, premièrement. On n'a pas mis de manhole. Au début, on a mis des ceux qui ont mis des canaux faux sceptiques, ils ont mis des toilettes, douches. Les canaux ont mis des faux sceptiques. Ou soit na puits perdu. Mm. Et ça, on a une chambre de visite, bon, bah, ouais. De façon ouais. Que a, ceux ouais. Qui bouche, est bouché, ouais. Tu peux aller, tu ouvres, vous débouchez un peu. Bon, tout ça, peut être un bloc tout ça, en électronique. Dans l'installation de la fibre optique, on appelle ça des manholes. Ça veut dire que ce sont des chambres de tirage qui nous permettent de tirer la fibre. Et quand il y a panne et qu'il y a coupure quelque part, au lieu de on a les sous-sous. Pourquoi qu'il y a une chambre, ça dépend. Dans le milieu forestier, dans la forêt, dans la savane, il y a à chaque 2 km. Mais dans le milieu urbain, le roi Aboué, dès 50 mètres, on place ça. Et partout, il y a des virages, là où nous avons un angle un peu plus prononcé, plus de 80 degrés, disons 90 degrés, plus demi, on met le manhole. Vous voyez? Il y a un côté. Donc, Bakunda fibre, d'abord, on a fait un mabélé, sanguine protectrice, voilà. Bakunda, ça, c'est un manhole. Ça veut dire, les lots qui fibre est katani, et que, rongeur, parce que HDPI, voilà. Il y a des gens qui ont protégé les fibres. Maman, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé au lieu de toucher fibre, peu qu'à ta fibre, et toucher gain protectrice. Il y a sa pression. À quoi amortir choc. Tant que tu as un peu de temps, et que tu protéger les fibres, comment tu as ta fibre. Mais dès lors que tu as un côté, fibre est exposée, premièrement. Et puis s'il y a coupure, même si tu as un test du soir, que non, fibre est un peu de temps, que tu as un peu de temps. C'est un grand travail. Or, s'il y avait de main hall au départ et d'autres, tu estimais distance, tu as vu que couper les entre chambre 4 et chambre 5. Chambre 4 est appelée à Madimba, par exemple. Chambre 5 est appelée à 100 mètres ou à 250 mètres dans la chambre. Tu as la chambre 4 au Fungoli, on retire la fibre. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu as bien dit que tu as 4 tuyaux, tu as bon ici, après tu as saigné, tu as tiré. Sans pourtant te excaver encore, sans pourtant te engager encore une main d'œuvre qui va demander encore de l'argent. Est-ce que Baïba Kamakambote? Je ne sais pas ce qui va y barater. Mais, Pessa, SPT mort-né. Mort-né. Ça veut dire, Salima Kamudamaouna Kinki Moulumba, la présidence. Premièrement, la qualité de cette fibre-là était très mauvaise. La fibre qui a été achetée là. Oh. D'une très mauvaise qualité. Donc, on a tourné JK dans deux choses. Voilà. Donc, ils ont détourné de l'argent. Si je te donne le montant qui revient un manhole revient à 700 dollars. La carte est bioki. Attendez. Chambre de visite. 700 dollars. Mais quand vous prenez maintenant de moins jusqu'ici, surtout ça, les calculs par absurdité, on peut avoir 250 manholes. Mais il ne coûte même pas un milliard de dollars quand même. Mais non, non, je parle seulement de manhole. Et bon, HDPI, il y a un moment où ça coûte combien? Un mètre d'HDPI peut coûter 4-5 dollars. Mais ça aujourd'hui, 750 km. 750 000 mètres fois 5 dollars, ça fait combien? Je sais pas, moi je ne répondrai pas. Je voilà, ça. Que le téléspectateur fasse des calculs. Ouais. Vous allez comprendre comment on a détourné de l'argent. Il y a Mboka. Il y a un gros fibre, et Komanimi. Et Katanaka, chaque jour, moi je viens, il y a reparticipé encore à la deuxième phase, il y a fibre optique. Deuxième phase, au Babi, Cap 5. Kolonga Mwanda, Ti Kinshasa. Financé aussi par la Banque mondiale. À une hauteur à plus de 40 millions de dollars. Mais on a donné ces marchés à un Libanais. Oh, mais je vous dis, monsieur Bossembe, c'est là où j'appelle la conscience. On a c'est quoi? Et Zali, le projet est encore en cours. Attends, c'est sous Fatshi que... C'est sous Fatshi qu'on a commencé ce projet. On a donné à un Libanais. À un Libanais. Est-ce que tous les Congolais capables de faire ça? Mais moi qui vous parle, je suis qui? Je suis Congolais. Le réseau métropolitain d'Africel, excusez-moi de citer le nom de la société, le réseau métropolitain des 100 km capitale RDC, c'est moi qui ai fait ça. Quand j'étais encore avec eux, c'est moi qui fus le project manager de ces projets-là. Africel sur Azure Fibre Optique, c'est moi. J'ai commencé du début jusqu'à la fin. Et la qualité même de l'HDPI qu'Africel, que j'avais imposé à l'Africel,
est plus meilleur que la qualité. Oh, il y a autre ça la cap 5. Oh, ben des bisons bon et belé en boca. Oh, je fais ma sico. Non, je comprends pas. En tout cas, moi, c'est un Libanais qu'on a donné. C'est je sais pas. Premièrement, le Libanais, Moutoutou Ayebi, que les Libanais, ce sont de faux. Attendez, on tombe pas dans la xénophobie quand même. Hein? Non. Je parle en termes. Ce sont. Et ça, ma comportement, n'a pas mon Libanais, les cas, grande portée. Libanais a les gars toujours dans Simon Mokon. Lui, il aime la corruption. Oh, vous allez attaquer la communauté libanaise tout entière. Je parle de faits. Ouais. Parce que, oh, elle est qui n'a terrain. J'étais là comme contrôleur expert. Mais j'ai fini mal la course. Parce que, arrivé vers la fin, le même Libanais, on dit, non, Tosha, toi, tu gagnes beaucoup. J'étais le seul Congolais à être mieux payé parmi les autres. Le seul Congolais. Et dans la structure de prise de décision, de la gestion de ces projets, il n'y avait pas un Congolais. Je me suis demandé comment cela pouvait être possible. Un si grand projet d'une trompe nationale, vous donnez ça à une société étrangère, et là où on prend des décisions, là où on décide sur la vie du projet, il n'y a même pas un national. Il n'y a pas un Congolais. Moi, j'ai été tiré parce que j'ai fait connaissance avec un Libanais avec qui on a travaillé quand j'étais dans le projet africain. Il m'a cherché, il a dit, Tosha, toi tu connais la fibre, toi tu es expert, tu peux venir nous aider. Mais arrivé vers la fin, on a dit, Tosha, on m'a rappelé à Kinshasa pour dire, toi tu gagnes beaucoup. Je ne peux pas vous dire les salaires qu'eux pensent que c'était beaucoup. On a, toi tu gagnes beaucoup. Tu peux nous dire, nous sommes africains. Okay. Nous sommes africains. On doit te rabattre ton salaire de ce que tu avais jusqu'à 500$. J'ai dit, non. Sur base de quoi vous allez me rabattre le salaire? Oh non, il y a d'autres qu'on a recrutés au Bas-Congo. Ils ont ramassé nos frères comme ça, pêle-mêle, certains ingénieurs. Ils ont fait d'eux des superviseurs qu'ils payaient $100. Et sans contrat écrit. Et eux-mêmes gagnaient combien dans le projet? Mais non, je t'ai dit, il y a des détournements de $40,000. Il y a des détournements de $30,000. Ça, c'est pour des managers régionaux. Et ils gagnaient beaucoup d'argent. Ils m'ont rappelé, j'ai dit non. Si vous me rabattez les salaires jusqu'à $500, je laisse. Ah, à prendre ou à laisser. Je dis, ok, je préfère laisser. Je ne peux pas toucher $500, moi. Je préfère laisser. J'ai abandonné le projet. Vous voyez? Mais regardez ce qui s'est fait maintenant dans le projet. Parce que je vous ai dit que la fouille, la profondeur d'une excavation dépend du type de sol. Là où le sol est dur, vous voyez, nous descendons jusqu'à 90 cm. Là où le sol est normal, c'est 120-110 cm de profondeur, 1,20 m. Mais là où le sol est rocailleux, nous avons de pierre. On descend à 70 et puis nous allons enrober. Enrober veut dire que nous allons mettre une couche de béton de 25 cm. C'est pour protéger l'ouvrage. Parce qu'on n'est pas descendu trop fort, vous voyez. Nous sommes à 70 cm de sol. Alors quand vous mettez le béton, prenons le cas que Moutumora Linga Sala Bilanga, Linga Sala Ndakunaye, sera moni déjà béton, sera béti, béton ils ont protégé dans nos HDPI. Voilà. C'était pour protéger. Parce que la durée d'une infrastructure de la fibre optique avait Bandaro s'est dégradé, tout Bandaro Bongi, ça, il faut ça à 25 ans. D'accord. Le minimum. Donc, mon réseau, c'est ça. Avec ma faiblesse, il faut tout ça au moins 25 ans. Donc, on a 25 ans sans problème. Mais est-ce que tu aurais eu ça à 25 ans? Je doute fort. Et ça à 25 ans. Parce qu'il y a des endroits, moi, je mets ma main à couper. Il y a des endroits où si vous allez, aussi, bon, Timo le Sikoy, bon, sous qu'on a 60 cm. Pendant que le sol est bon. Il y a des endroits où on a enrobé. Papa, est-ce qu'on peut mettre le béton d'un kilomètre avec 10 sacs de ciment? Je n'ai pas fait le génie civil, bien sûr, mais je connais le génie civil, je suis du domaine. Parce que béton, il faut ça la mélange, Nango. On doit faire le mélange. On doit avoir le caillasse, le gravier, on doit avoir le sable, on doit avoir l'eau. Ce sont là les trois éléments qui contribuent pour que nous ayons un béton. Et on appelle ça mélange, le dosage. Bon, il y a un kilomètre à béton, c'est 10 sacs à ciment. Un kilomètre, ce n'est pas ici. Mais est-ce que qui a donné ce marché à la Libanais? Ça, c'est la question que moi, je dois poser maintenant aux responsables congolais, aux décideurs. Mais là, je m'adresse directement au président de la République. Il doit voir ces marchés-là. Le président doit déléguer une commission d'enquête avant que ces marchés prennent fin. Avant que le marché prenne fin, parce que c'est vers la fin. Ça porte sur quoi le marché? Maintenant, le marché de la fibre, c'est Cap 5. Ok. On a donné ça à une société nationale qu'on appelle SOCOF, Société Congolaise de la Fibre Optique. Mais c'est cette société congolaise de la fibre optique qui a donné ces marchés-là aux Libanais. Oh, c'est pas vrai. Alors moi, je me suis demandé, qu'est-ce que les Libanais ont fait pour mériter un si grand projet? Est-ce qu'ils n'ont pas de matériel? Ils n'avaient pas tout le matériel. Il y avait dans le cahier des charges, j'étais expert dans le domaine, dans le projet.
On disait par exemple, pour fabriquer le manhole, il faut avoir une bétonnière. Ça veut dire que c'est un ouvrage, c'est une machine qui nous aide à mélanger le béton. Bétonnière. Il faut au balou là, ciment, la bétonnière, pour que nous ayons un mélange homogène. Il y a bien, compact. Bah bétonnière, ils allaient quitter. Bah ciment, n'a pas beaucoup. Béton, n'a pas beaucoup. Il faut tous en vibrer. Place au beau couler béton, le quoi les amours espace à monnaie, ils ont la moi vibrer mon auto chaque. Ils ont le quoi la moi plaque métallique mon auto. Ils ont la carte. Ils ont n'ingana. Pour ça nini, et coca coca colmaté. Tous en a bah bulle d'air t'es la carte, bah tout est à la t'es. Hein? Ça on appelle ça l'entalpie. On a un domaine il y a autant en opé la physique. Au moins la place nous sous exactement. Bah zo j'en ai une zété, bah zo n'ingi ça n'a pas beaucoup. J'ai vu ça de mes propres yeux. Mais pourtant, vas-y marcher. Et pourtant, vas-y marcher à mon aile. C'est quoi que ça qui a marché? C'est qui a vu le gros? Nga bakoué kopé sanga marché ou anate. Bah quoi kopé sanga marché la société. Nous avons des sociétés congolaises. Ah d'accord. Oyo bakoué kosa moussalo wana. Mais nga bakoué kopé nga peut-être comme étant un manager, comme étant un expert, comme étant un contrôleur. Nga ko contrôler marché wana, nga ko contrôler exécution à ma travaux parce que je suis du domaine et puis je suis expert. Moi, je n'ai pas une société de télécommunication. Moi, je suis pas un entrepreneur. Au pays, ça va marcher pour la saline. Bon, au pays, c'est un peu à la nationale, au bazar, à l'équipement. Ce qui est à la côté, et que Moutou a eu du domaine ou à la obligé Bango, avant pour vendre Moussala, à mon éloco, songolo. Prenons le cas de Tcheyo, manager à projet ou à contrôleur. Aux juristes, maître Bossembe. Au Talikara, il faut vous en avoir bétonnière. Bah, là, ça veut peut-être que l'eau, vous en avez bétonnière. Ah oui, c'est bon. Bon, dans mon équipe, il faut vous en avoir vibré. Baba ko l'axo truel par exemple. Oh, vibrer rango. Le ko l'osan dans le domaine tout. Ah, c'est bon. Mais ce qui moto a yebi métier wanaza, il va dire non. Avant que vous commenciez le marché, je vais voir ça. 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 Je vais voir et ça. Et autant il a projet à Libanais, wana, il a respecté le Comorotier. Non. Ils n'ont pas respecté. Ils n'avaient pas tous ces matériels. Le marché coûte combien? Il coûtait combien? Plus de 40 millions de dollars en trajet. Oh. Vous voyez? Et cet argent-là, nous allons rembourser ça. Yo ko fouté ango parce que c'est un prêt. Banque mondiale a kabarambongo te. To ko fouté ango avec des intérêts. Yo ko fouté ango ngana ko fouté ango bande ko nyo so ba fouté ango. Alors ceux qui sont la mine ba condition yo, c'est malheureux. C'est très bien. Je crois que donc vous voyez nous perdons beaucoup dans le domaine des. Est-ce que le ministre de Pétentic a une responsabilité dans Makambouana? Si. Raison pour laquelle quand nous voyons maintenant du point de vue politique ces domaines là, raison pour laquelle le jour où j'aurai ces privilèges-là de croiser les députés que nous avions votés, il faut leur dire. Il y a certains secteurs dans la vie où les syndicats sont technocrates, ils ne sont pas en conduire. Prenons le cas ministère, par exemple, et la justice. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens électroniciens? Tout le monde est au boya. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Ministère local et la santé. Est-ce que vous mettre quelqu'un qui a fait le journalisme? Qu'est-ce qu'il fera là-bas? Mais pour l'année, le ministère, il y a Pétentic. Un ministère purement technique. Mais pour que nous sommes juristes, pour que nous sommes tous sauf les électroniciens, les télécommunications. Vous pensez que celui qui est là n'est pas électronicien? En tout cas, il faut qu'on me le prouve, il n'est pas. Mais est-ce que vous en avez l'élément? Non. Oara, premièrement, Kinke Boulumba, il a fait Yoyebi, le professeur. Le journalisme. Journalisme. Oui. Oara Landa qui est, Emery Okunji. Oara Outo Lokolongwa, Emery Lokolongwa, juriste. Oara Pakotio, je ne connais pas vraiment. Mais il n'est pas loin d'être juriste. Non, mais tu peux pas dire ça. Il faut avoir des éléments. Sous réserve. Oui, voilà. Sous réserve. Ouais. Mais il n'est pas, en tout cas, les gens vont m'appeler. Il n'est pas électronicien. Mais est-ce que pour être ministre à Pétentic, il faut forcément être électronicien? Oui. Prenons le cas maintenant dans de tels marchés où on installe la fibre optique. Une fois, il est venu. J'étais à Matadi. Le ministre de Pétentic était venu. Monsieur Kibassa. Mais il était venu. Mais vous savez où il s'est arrêté? Où? Il s'est arrêté dans l'entrepôt pendant que le chantier était là-bas, en train de se faire. Mais est-ce que c'est le rôle du ministre d'aller dans un chantier? Non, mais écoutez. Deux fois, c'est la tête qui montre l'exemple. Quand on est technicien dans ce domaine-là, prenons le cas que c'était par exemple moi, Tocha, ministre de Pétentic, n'a pas ça la deux semaines, t'es sans dans un chantier. Parce que je suis du domaine. Tout ce qui s'est fait là, moi, je connais. Donc, on ne peut pas me rouler. On ne peut pas m'amener des projets bidons. Comme le projet, par exemple, où on a eu un RPTC, où on a eu la RAM pour l'identification, il y a un téléphone, il y a Moïbi. Ce n'est pas le moment. Ça va apporter quoi à l'État congolais, dis-moi? Non, mais ce n'est pas à toi de dire que ça va amener quoi. Non, je suis... Bangone, bah, non, mais il apprécie. C'est mon avis. Ah,
C'est mon avis. Ah, d'accord. Est-ce que je suis congolais, je suis libre. Oui, est-ce que c'est un avis, c'est un avis d'autorité ou c'est un avis simplement complètement... Non, non, ça veut dire que ces gens-là... Non, non, ces gens-là manquent à faire. Ils ont mieux à faire que ça. La haute autorité des régulations a beaucoup d'histoires à faire. Quand on parle d'une régulation, c'est le contrôle automatique d'un système. Ça veut dire maintenir la réponse voulue malgré les fluctuations. C'est ça ce qu'on appelle la régulation. Ils sont là pour réguler toutes ces sociétés de télécommunications. Leur fréquence, la manière dont ils travaillent. Vous voyez, ils ont beaucoup à faire dans le domaine des téléphonies pour amener de l'argent à l'État au lieu d'aller chercher les voleurs de téléphones. Alors, on va terminer ce débat. Ce qu'on entendra un autre jour sur la question Yabaram, mais ce qui m'a bien récure, c'est parce que moi, j'ai suivi ton exposé sur comment l'État perd l'argent et comment on peut avoir une entreprise et l'État. Alors, surtout qu'on récapitule, na lingala, quelle est ta démarche aujourd'hui? Ce qui, l'État, il faut ça l'entreprise, il y a combien de communication, il faut banda abandé l'angou, wapi, l'olenge nini, akosa la nenge nini, akosombongo wapi, avantage de kosa la nini. Avec 200 millions de dollars, on peut commencer avec Kinshasa, Matadi, Kisangani, Lubumbashi. L'Équateur n'est pas même, hein? Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ok. Mais si aujourd'hui nous voyons l'enveloppe où ils ont détourné, Nabato Bazoui Bambong à l'État, projet 100 jours, plus de 400 millions de dollars déboursés, bah, saut des moutons sur le lot, et si la maison préfabriquée, au Yébi Psor Nango, Banzela, il fallait battre un bon côté qui te habitait. Or, on pouvait prendre cet argent-là, mettre sur place une société de télécommunications. Vous voyez, ça va nous rendre premièrement autonomes. Tout ça, il y a un conflit qui te bêlé à Onamboka, un voisin. Prenons le cas que nous entrons en guerre aujourd'hui avec un pays limitrophe. Pour la communication, il y a un soda, il y a un commandement, on va utiliser quel téléphone, quel réseau. Mais ce sont les réseaux privés, non? Et puis, ceux qui ont infiltré, ils sont sous écoute, nos dirigeants. Nos généraux, vous voyez ce que nous perdons? On n'aura pas du secret. Mais si nous avons notre société de télécommunications nationale, premièrement, nous sommes en gestion. Donc, nous maîtrisons bien. Donc, nous serons autonomes. SCPT. Non, non, on peut créer une autre société de télécommunications nationale, mais SCPT, Azawana, comme étant une structure qui va gérer. Très bien. Vous voyez? Et puis, nos finalistes, nos enfants, nos petits frères qui terminent à l'ISTA aujourd'hui, il y a des licenciés qui finissent à l'ISTA, assis sur la télécommunication, mais appelle-le. Bah, la chaîne, la télévision, bah, ça, l'attaque câblage à moquer, bah, ça, l'attaque à ta haute bengaka, alignement d'une antenne parabolique, d'un dish. En concours, ça, la mota, mona, en moté. Ce qui va côté ici, bah, demande à stage, n'a pas professionnel, n'a pas société privée, bah, rejetera bango toujours. Bah, rejetera bango toujours. Bah, rejetera bango toujours. Or, avec une société de télécommunication nationale, on peut créer une parenthèse pour dire que ici, c'est un endroit où on va apprendre à nos enfants le télécommunication. Onion sobatanga kanakela si bagoye kula yango awa parce que c'est national. Ça serait bénéfique pour nos enfants. Et puis tu ça la mbongo ebele. Na tu peux sur ma calcul simple. Ce qui tu arrivé à ça la même 20 millions d'abonnés. Ça te bête la calcul. Tu ça la mbongo ebele. Cet argent là et qui est en agriculture, cet argent là parce que ma secteur onion so yo tu so budgétiser bango. Combien bazo tina na caisse à l'État? Très bien. Combien va-t-il dans la caisse à l'État? Maintenant, démarche, Zali. Démarche, Nangeza, que premièrement, qu'on mette de l'ordre dans le domaine des télécommunications. Le président de la République, s'il veut bien finir son mandat, je m'adresse à lui, il doit faire un tri autour de lui. Il doit faire un tri. Il y a beaucoup qui connaissent les télécommunications, parce que ça, c'est mon domaine évolutif. C'est un domaine qui peut nous amener beaucoup d'argent. Mais seulement, il doit chercher les gens qui connaissent quelque chose dedans. Au bah, on peut essayer information à ma lame. Mbongo ya mboka tu investir en gros, l'objet de mon résultat. Bouzo bah, ou ça, man, niveau ya fibre optique, ou et si la nan. Parce que le lot déjà, même fibre optique, ou ça, la cap 5 ou y a l'état. Ou bien que Vodacom est à la quantité. Et au cotaté. Ou bien que Orange est au cotaté. Pourquoi? Parce que Orange n'a Vodacom, bah, ça la ligne n'a bango mongo privé. Bah, ou t'en a go, bah, n'a moins d'attique in chassa. N'a la pesa qui bango, permission wana. Ça, c'est une vente. Il y a parti, il y a souveraineté la bison. Parce que ceux qui basent là, qui cap 5, basent là, qui ligne la bison nationale, donc on fout ça dans vos factures. Il y a eu combien on fout ta facture pour la carte base sur Internet. Bah, banque. On perd beaucoup d'argent dans cette histoire. Mais toujours déverser mon ébélé. Pour quel résultat? La démarche est que l'État doit faire d'abord tout pour récupérer l'autonomie. Exclusivité, il y a exploitation, il y a fibre optique.
Il y a Backbone et puis il y a FTTH et Tikala dans l'État. Très bien. Vous voyez? Vous avez entendu, mesdames et messieurs, sur cette question. Alors, ce vrai ingénieur, perception numéro là. Comme ça, les gens qui veulent continuer le débat peuvent le faire avec vous. Des questions, certainement. Comment ils font tout ça? Bayoka. Plus 243. Encore. Voilà, ça c'est le code, Yamboka. Ouais. On a compris que 2 est Afrique. 2 est Afrique, 43, c'est 43e pays normalisé à l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Très bien. Numéro. Voilà. Plus 243, 81, 53, 75, 019. Plus 243, 81, 75, 53, 75, 019. Ça c'est mon numéro même WhatsApp. Ça veut dire même sur WhatsApp, on peut parler. C'est... Voilà. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je suis convaincu que je dormirai moins bête aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de concepts et ainsi de suite. Mais comme c'est la science, le débat est ouvert. Bandeko, Bobonique, Ndeko, Tosha, Lobil, comme par exemple, Koto, Zalaki, Penza, Ngote, tout ça, le débat est ouvert. C'est quelqu'un de très ouvert. Il aime le débat. Ce qui est occupé, favorise beaucoup la mesure évoluée. L'État doit être en mesure de supporter souveraineté naïe, mais aussi de supporter ma revenu, une autre chose, c'est très important. Merci d'avoir été nombreux, je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Maman Marthe, Africa Union, mais quand t'es gagnoso, bilan quoi y a pas de New York comme on est. On y dit ne colaio, à ça ni ça y est. Bon à Corée là y a, mais comment bon de là y a. Bon à Toto là y a, mais comment y a elle. Bon comment bon de là y a. Balobi bio Africa Union, et toi t'es tout ça pour la basima. Sinon quoi y a pas y a, sinon quoi y a ni. Ne colaio non t'es ca, mais non t'es ca bilan quoi y a mboka. Y'a fresh bio. Je suis un homme. Bona coriana pino moko ba bona ragino carino coriana apeti. Oh.